Salut tout le monde, c'est ça, c'est un reptile 450 avec des propres 10-4-5, des moteurs Air 1200 kV, des 2210 150 watts avec des EC des 30 ampères, un KK2 board avec une 2.2 tonnage. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est pour un client. La batterie c'est à moi, c'est une autre batterie qui vient avec. Qu'on y va. C'est doux. Il y a du vent. Super doux. Des LED en avant. Ça aide pour l'orientation. Mais vu la configuration du frame, comment qui est faite, c'est... L'orientation est moins dure à repérer. Assez puissant. C'est fort en masse. Très bonne machine. C'est pas trop dur à contrôler, assez facile, tu sais. Bonne petite machine. Assez rapide, hein? Et voilà, c'est ça que le KK2, c'est un 2.1.5. Que non, elle vole vraiment bien. Puis c'est ça qu'on va aller pacter ça pour le client. Les moteurs aussi sont vraiment doux, les deux, les 2210. Vraiment des Air, très bon moteur. Très très bon moteur. Puis c'est ça, rien de chaud, rien de... anormal. Les SC sont flashés Simon K. Que c'est ça pour l'orientation, là, on regarde la forme du frame. Super bonne machine. C'est conçu pour le FPV, la batterie en arrière, mais là, vu qu'il n'y a pas de système FPV, de caméra et quoi que ce soit, que la batterie, elle, normalement, on la positionne ici en arrière, comme ça. De même. Mais là, faut la mettre quasiment ici, parce que pour le CG, hein. Faut pas oublier qu'il y a un CG là-dessus. En réalité, où est-ce que le board y est, on met nos doigts. Puis là, ça nous dit, yeah, comme ça,
il est parfait. Parce que si on ne met pas le CG comme il faut, on met la batterie de même, mais il va lever, puis il va lever comme ça, puis il va toujours s'en aller du reculon. C'est sûr qu'on peut toujours le trimmer, mais à un moment donné, ça vient pas bon. Il faut toujours garder la batterie dans le centre de la gravité tout le temps, donner tout le temps un poids qui est conforme. Que c'est ça. Et puis, ben c'est ça. Qu'il n'y a pas de problème avec ça. Que salut!